La houle en légère baisse et du vent au sud-sud-est entre midi et 2 sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est voilé à dégager, une température extérieure à 23, une température de l'eau à 20. Cet après-midi, un temps voilé à dégager, une température à 25. La marée, elle est actuellement en train de monter. Le plan haut est à 16h20, des coefficients de 84. Sur cette marée qui monte, le vent s'est renforcé au sud-sud-est. Il est modéré à soutenu. Il y a un bon 3 beauforts établis, des rafales à 4. Le drapeau est tendu, le plan d'eau est ridé. Apparition de petites moutonneries sur le large. Les phases de vagues sont lisses. La houle devient sectionnée. C'est la houle de l'ex-ouragan Nigel, sa dernière journée. Une houle longue de 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. En léger repli sur la bouée Arcachon-Gascogne à 2 mètres et 9 secondes. Ce qui donne en termes de taille de vague à la canot 1 m/20 en déferlement régulier, 1,50 à 1,80 sur la plupart des séries. Là, il y a difficilement le 2 mètres. Avec le vent qui est sud-sud-est, ça se sectionne, c'est haché, ça se dégrade. Les gauches sont assez nulles. Par contre, les droites sont un peu mieux. Retenues par le vent de sud, ça arrive à dérouler. Il y a quelques vagues au large, il y a quelques vagues au bord tubulaire là, qui arrivent à passer aussi retenues par le vent. La marée est encore assez basse, la barre est facile à franchir. Les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés. Des vagues sur les grosses séries qui font la taille d'une personne, voire légèrement plus grande qu'une personne. La note ce matin, jusqu'à 10h, c'était du 4 sur 5. Là, c'est 3 sur 5. Mais sur les meilleurs bancs au bord, là, il y a quand même des droites qui arrivent à passer. Des fois, il y en a des jolies, quoi, qui font envie. Mais la marée va monter, ça ne va pas s'arranger. Il y a quand même une vingtaine, une trentaine de personnes à l'eau, mais il y a moins de monde que ce matin. Attention, j'ai fait la même, à peu près. Et l'évolution pour le reste de la journée est moins favorable, nettement, parce que le vent va passer un shore modéré, voire soutenu. Il peut peut-être se calmer sur la fin du montant, mais ça sera moins fun, avec un train double qui va baisser. La boire Arcachon-Gascogne est à la baisse à 1,80 et 8 secondes. Et donc, les prévisions à 17h, c'est 1,50 m, ou d'ouest-nord-ouest à ouest, avec 11 secondes de période. Dans ouest-sud-ouest, 3 beauforts, peut-être 4. Hein. Donc, le meilleur créneau, c'était ce matin. Ce midi, là, c'était encore bon. Et cet après-midi, ça devrait être le plus mauvais créneau du jour. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée.